Aujourd'hui, on va parler d'un jeune Naël qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et il y a sa maman, ses copains, la famille qui pleurent, qui font des manifestations, des marches blanches, etc. Donc on a vraiment affaire à un truc d'une ampleur naëlienne. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jeune Naël, qui n'est pas si jeune en réalité, c'est un père de famille, a commis un vol avec violence, il s'est échappé, il s'est fait choper par la police, il a réaccéléré, il a roulé au milieu d'un rond-point en manquant d'écraser des gens, etc. Et il a failli écraser un policier, et le policier a tiré. Et du coup, évidemment, pour la famille, les copains, etc., ce mec qui s'appelle Mikey a été tué absolument injustement. Hashtag ACAB, hashtag violence policière. Donc on est à Toulouse. Cette information judiciaire a été ouverte pour trois motifs. Refus d'obtempérer aggravé, violence volontaire avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec arme par dépositaire de l'autorité publique, ça je pense que c'est pour le policier, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a précisé le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta Simon. Et du coup, ça a eu lieu le 25 juillet et notre cher Mikey a pris une balle en pleine tête. Les forces de l'ordre s'étaient rendues sur place après avoir été averties que s'y trouvait un véhicule recherché car impliqué dans une tentative de vol avec violence commise le matin même. Donc on a affaire ici à un réel criminel. D'accord? Confronté aux gendarmes, le conducteur avait tenté de se soustraire au contrôle. Selon la même source, bloqué par leur véhicule, il avait alors franchi un terre-plein central, donc au milieu d'un rond-point, il est passé à travers, donc au milieu des voitures, des gens, etc. Il a détruit du mobilier urbain et a manqué de toucher l'un des gendarmes dans sa manœuvre. Oh, il est tellement l'innocence. Puis le conducteur faisait une nouvelle embardée à vive allure en direction d'un des gendarmes qui ouvrait le feu. Donc il a carrément essayé de l'écraser. Imité dans la foulée par un de ses collègues, selon la description faite par le ministère public. Et du coup, afin de protéger cet individu d'une innocence absolue, dès jeudi soir, jusqu'à 300 personnes, selon une source proche du dossier, avaient exprimé leur émotion aux abords de l'hôpital Purpan, et des affrontements avaient opposé quelques-uns d'entre eux aux forces de l'ordre. Puis certains s'étaient introduits dans la nuit, sur un terrain de l'entreprise Lafarge et avait foutu le feu à des camions, selon la même source. D'après le parquet, de nouvelles échauffourées entre proches de la victime et forces de l'ordre ont eu lieu vendredi soir, à proximité du lieu de l'incendie du local industriel. Une marche blanche s'est tenue mardi après-midi dans le centre de Toulouse à l'appel des proches du jeune homme. Une centaine de membres de la communauté des gens du voyage, parce que du coup ce sont des gitans. Et du coup, c'est pour ça que les émeutes ne prennent pas plus d'ampleur que ça, parce qu'ils sont peut-être un petit peu trop français. Voilà. Je peux vous dire qu'il aurait été membre d'une certaine communauté, les émeutes auraient fait x 1000, peut-être même x 10 000. Mais du coup, là, ça va. C'est pas trop des émeutes naëliennes. Ça reste assez restreint. Et du coup, on n'en entend pas parler plus que ça. La manifestation s'est ensuite déroulée dans le calme vers le palais de justice et était en train de se disperser aux alentours de 17 h, a constaté une journaliste de l'AFP. On est là pour faire entendre la parole de la famille de Mikey. Ce policier a tué quelqu'un. Aujourd'hui, on veut qu'il soit condamné fortement et qu'il aille en prison, a expliqué Enoch Cort, musicien et figure de la communauté, venu en soutien. Il me l'a tué, il lui a mis des balles dans la tête. Qui va me remplacer mon fils? S'est exclamée la mère de la victime devant les médias, en ajoutant ⁇ Je veux la justice, je ne veux rien d'autre ⁇ Et du coup, on va écouter un petit peu leur témoignage, mais je vous le dis tout de suite, ils n'ont aucune chance de gagner. Parce que notre cher Mikey a quand même fait un vol avec arme. Intou, refus d'obtempérer de la police. Intou, je traverse un rond-point, je détruis tout le mobilier, je manque d'écraser un policier et des gens. Il a aucune chance de gagner. C'est quasiment obligatoire que le policier s'en sorte. Parce que là, niveau infraction, il était en tort dans tous les sens du terme. Donc là, c'est un copain, on est sur la dépêche, donc on met un petit filtre.
Une marche blanche a été organisée, etc., etc. La justice sont Je devenus des cow-boys. Il y a eu Naël, il y a eu aujourd'hui Mikey, n'importe quel crime qu'il ait fait. Il y a un jugement, il y a un tribunal. C'est pas eux les juges. Il y a des juges. Mais du coup, si le policier n'avait pas tiré, qui serait mort, écrasé par Mikey? Est-ce que là, on aurait fait la justice, etc.? Je crois pas. Un jugement, il y a un tribunal. C'est pas eux les juges. Il y a des juges, j'espère, pour ça. Il avait 28 ans, il avait un bébé de 4 mois. Malgré mes que justice sera faite, mon neveu ne sera plus là. Donc voilà, c'est pas bien de le repas. On ne comprend pas. Il comprend pas. Il a fait un vol avec arme, plus refus d'obtempérer, plus essayer de tuer un policier, hein, il comprend pas. On va faire du bruit. Ça bouge les champs. Alors ça, je l'ai vu qu'après, c'est qu'apparemment sa femme et sa gamine de 4 mois étaient dans la voiture. Donc ça veut dire que le mec fait un refus d'obtempérer et essaie de tuer des gens et puis roule comme ça au milieu d'un rond-point avec sa gamine de 4 mois à côté. Mais là, le niveau d'irresponsabilité est absolu. Il a encore moins de chances de gagner, c'est injustifiable de faire ça. Ils ont tapé sur la voiture, ils ont dit sortez. Il a pas voulu. Heureusement parce qu'il serait fait tuer carrément devant ma fille. Bah non. Il se serait arrêté, il serait descendu et sa fille irait bien. Mikey irait bien. Sa femme irait bien. Aujourd'hui, on veut montrer que derrière nous, il y a des avocats, il y a des gens haut placés qui viennent. Il y a des associations. Il y a des associations. Et du coup, lui, il est rappeur et auteur. Ce qui explique pourquoi il a des lunettes en or, un collier en or, des bagues en or, etc. On a des droits, on va les faire respecter. Et surtout à la mémoire de Mikey. Que Dieu bénisse sa famille pour ce qui est arrivé. Il a des droits. Mais c'est quoi sa bague, sans déconner? Mais il a une bague qui fait la taille de sa main. Avec son bracelet en or, etc. Ok. Et du coup, là, c'est la maman de Mikey, et je pense que je n'aurai pas besoin de filtre. Il a tué, il a mis des balles dans la tête. Il me l'a tué à mon bébé. Qui va me remplacer, mon fils? Alors, ton bébé fait un refus d'obtempérer suivi d'un vol, enfin, après un vol avec arme, sachant qu'il y a son bébé sur le siège passager. Que ton bébé, quand même, hein. Mais je veux justice. C'est tout, je veux rien. Justice soit faite. Je veux rien, je veux 30 ans de prison, 30 ans. Mon Dieu, Mikey, ne t'inquiète pas, il y aura justice pour toi. Il y aura justice. Qu'il fasse son travail. Parce que croyez-moi, ça nous tire dessus gratuit, oui. On pourra revenir, nous. Gratuit. C'était gratuit. Aucune raison, comme ça. C'est gratuit. On peut la faire la guerre. Il a enlevé sa vie. Il avait 28 ans, il avait un bébé de 4 mois. De 4 mois, et c'est encore un bébé. Tous les jours, il m'appelait, tous les jours, maman, maman. Elle a été au restaurant manger. C'était gratuit. Son petit bébé de 28 ans qui fait des refus de tempérer après un vol avec arme. Avec son gamin sur le siège passager, un tout petit bébé, un petit ange merveilleux. Une colombe qui brille de mille feux, qui est tellement blanc qu'il me faut des lunettes de soleil pour le voir. D'accord? Il y a Psyodélique qui commente, elle veut la justice, elle avait qu'à mieux l'éduquer, sa place est en prison. La justice a été rendue, on est en république avec ses droits et ses devoirs, on n'est pas chez les sauvages. Alors que s'il avait obtempéré, on en a marre de tous ces gens qui refusent d'obtempérer et qui viennent pleurer après. Elle veut une cagnotte tellement fort. Pourquoi Mikey ne s'est pas arrêté? Bref,
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!